Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui démarre. Alors voilà les gars, je passe directement au repas 2, je reviens du cardio, enfin j'ai fait mon cardio du coup ce matin, avec mon premier repas qui était du coup riz poulet, on a plus ça avec des cakes, j'ai un bon légume là, non? C'est bon. Donc riz poulet, avec peu de riz, là je mange moins de la moitié de ce que je mangeais sur mes jours bas, donc un peu compliqué. Deuxième repas, on en prépare, poisson, et les légumes verts, là j'ai mis brocoli, épinards, un petit peu d'oignon, etc. Et j'ai mangé tout ça, 3 fois du poisson par jour, ça va être plutôt sympa. 2 oméga-3, et puis en avant quoi. Je suis désolé, hein, ce matin je me suis parti direct, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je filme. Enfin bon, c'est le début de la semaine quoi. Donc je mange ça, et je vous dis à tout à l'heure, ça va être un régal. Voilà, et là on part sur le repas du coup pré-training, poulet, riz, et là j'ai juste mis des petits champignons, voilà, avec du paprika fumé, un petit peu d'échalote, des machins, huile d'olive, 5 grains d'huile d'olive, voilà. 2 oméga 3, et puis voilà, bon c'est pas les grosses assiettes de, comme d'hab, mais bon, il en faut, donc bon, je mange tout ça, je me prépare et... Je vais me faire violence pour aller au training, c'est maintenant que ça a payé. Ça va être plus dur, mais c'est là où se fait la différence. Allez, go. Bon, voilà, arrivé à la salle. Donc, c'est parti, j'ai pris mon pré-training là avant de partir. Je n'ai pas filmé, donc comme d'hab, le Energy Pump, une cuillère avec une petite pincée de sel. Surtout en ce moment, avec les glucides en moins, très importants. Là c'est parti, on fait les BCA. Je vais remplir tout ça et puis on va se mettre dedans, on va peut-être mettre de la musique ici pour que ça soit un peu plus motivant et puis voilà. Casquette à l'envers après, let's go. Casquette à l'envers.
Fin du training les mecs, bon je suis déjà dans la voiture, ouais j'ai pas filmé, j'ai mis mon survêt tatatitata pour pas attraper froid. Et voilà, j'ai pris mes BCA et on est et je pars. S'il faut que j'aille manger, du coup j'ai faim en plus, puis là faut que j'aille manger du poisson. Enfin bref, je traîne pas du coup, c'est pour ça que je me précipite un petit peu, que je viens juste d'y penser. Donc fin de training, voilà, avec des techniques un petit peu différentes comme je vous expliquais l'autre fois. Là clairement je sens que le glycogène est un petit peu moins là, je suis moins plein, c'est moins rond, mais bon c'est pas, ça va. Et mais surtout ce que je sens c'est la différence en fin de série ou fin de séance, là les comment dirais-je, l'énergie, je suis motivé mais je sens que je tire mais genre il y a moins d'explosivité, moins de force. Mais bon, du coup, surtout on s'hydrate bien. Là, j'arrête pas de boire aussi et je rentre manger. Allez, let's go. Allez, nous revoilà. Ça y est, c'est parti. Hop là, poisson, cette fois-ci un peu de riz. Légumes verts, paprika, un petit peu d'huile d'olive, deux oméga 3. Et on y va. Je mange ça rapido parce que putain, j'ai la dalle en plus. Et je reprends juste après. Allez, let's go. Bon, évidemment, il fallait que je loupe un repas. J'ai loupé celui-là. C'est le deuxième que je loupe ou pas? Oh, je ne sais plus. Avec ce matin. Bref, du coup, c'était poulet et asperges, là. Donc, rien de folichon. Poulet avec du paprika fumé, asperges. Un petit filet d'huile d'olive dessus. 5 grammes d'huile d'olive. 2 oméga 3. Et puis voilà, quoi. Pas de glucides. Donc, bon. Et le prochain, après. On sera encore sur du poisson. Pouf! Donc, voilà, première journée comme ça. Je vous cache pas que je le sens quand même. Ouais, bon, je pense que mon corps n'est pas habitué non plus. Donc, évidemment, je sens qu'il se passe quelque chose. Là, il y a une petite différence. Et puis, voilà, on verra demain. Mais on est dans le... je vais avoir une dalle. Enfin, bref. Pour l'instant, ça va. Et bon, je vous dis à tout à l'heure. Pour le prochain repas. Let's go. Dernier repas. Encore du poisson, évidemment. Cette fois-ci, le poisson avec de la mâche. Le voici, le voilà. Chut, poisson, mâche. Là, il y a un petit peu d'échalote, huile d'olive toujours. Là, on est sur 10 grammes d'huile d'olive le soir avant de se coucher. Les oméga 3 et le mail ZMG. Toujours. Je vais le prendre de toute façon H24 toute l'année. Je ne sais pas si... il y en a qui ont essayé, dites-le moi, pardon, en commentaire. Parce que moi, je vous dis vraiment que ce truc-là, c'est l'essentiel pour moi. S'il y en a qui ont déjà essayé le maïs LMG, avec le GABA et la mélatonine, vous prenez ça, bam, vous endormez comme il faut et vous faites une bonne grosse nuit. Tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, moi, j'en ai là dans mes coachings qui ont essayé ça. Et franchement, maintenant, ils ne quittent plus, quoi. Comme ça, ils se couchent,
qui se réveille que le lendemain matin. Donc, déjà pour un point de vue de confort et de bien-être, c'est top. Et évidemment, tu dis que ce n'est pas du tout le même. Ouais. Va que je suis fatigué ou quoi? Dites-le. Voilà. Donc, poisson, mâche, maillet d'MG, et dans 30 minutes, 45 minutes, je ronfle comme une grosse merde. Voilà, une bonne journée de fête. Je vous reprends pour le débrief. Et on est parti sur cette lancée. Dernière ligne droite. Putain, mais j'ai un putain de souci là. Oh, l'élocution, ça craint. Dernière ligne droite. Du coup, c'est maintenant, c'est le plus important d'être sérieux, se donner encore à fond et tout bien respecter. Bon appétit à tous. À très vite. Yo, et voilà les mecs, de retour pour le débrief. Voilà, ça fait quoi? Du coup, une journée et demie là, que j'ai commencé la diète basse. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. Ça m'aspire un petit peu, mais bon, ça va. Le moral est là et c'est le plus important. Comme je vous l'ai expliqué, ce qu'il y a, c'est que c'est dans ces moments-là surtout qu'il va falloir vraiment, vraiment tout donner. C'est ça, pas mal de gens se demandent, mais c'est ça qui fait la différence entre les, entre ceux qui réussissent, sont vraiment les champions, et ceux qui ont un petit peu plus de mal. C'est dans ces moments-là, justement, dans cette phase-là où ça commence à être difficile, le régime commence à taper, les entraînements sont plus durs, on a la flemme, il faut le dire, on a la flemme de tout. Il n'y a pas un mec, même Philippe, qui va à la salle, quand il est éclaté, il a la flemme d'y aller aussi. Sauf qu'il arrive à, il arrive à se donner à bloc, et même encore peut-être plus fort qu'en temps normal. Donc, c'est ça qui est le plus important, et c'est là où ça vous fera vraiment avancer. Et ne tombez pas dans la facilité, dans les entraînements, à vouloir voilà, enlever un peu de poids, rajouter des répétitions, faire ce genre de choses. Ça ne vous sera pas du tout utile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. J'ai encore parlé de ça tout à l'heure à la salle avec un athlète qui dit « Ouais, j'ai cherché plus la définition et tout. » C'est complètement faux. Si vous voulez de la fibre, de la densité, de la dureté, il vous faudra mettre du poids, en tout cas pas moins que ce que vous mettez. Et évidemment, si possible, toujours plus, tout en gardant évidemment une exécution et une contraction parfaite. Voilà, les physiques les plus lourds qu'on a vus, avec le plus de fibres, le plus dur possible, le mieux conditionné, ils portaient tous du lourd, c'était des gros travailleurs. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Alors évidemment, il ne faut pas aller se blesser. C'est pour ça, par exemple, moi en ce moment, j'essaye de faire un bloc ou deux lourds dans ma séance. Là, aujourd'hui, on a fait les pecs, on a refait du développé incliné barre. J'ai fait l'essai à 180 kg. Je ne pensais pas que j'allais les taper, mais bon, je faisais l'essai de 10-12 à 180 kg, j'en ai fait 4. Et franchement, il n'y a rien de tel, ça va faire réagir mon corps, mais pour être bien dur et bien granuleux, quoi. Et avoir une belle densité musculaire. Il n'y a rien de mieux que ça, si c'est possible de le faire, il faut le faire. Après, évidemment, ne bouffez pas la technique, sinon vous allez vous blesser. Mais voilà, dans ces moments-là où c'est dur, mais c'est tellement là que ça va payer, que ce soit musculairement, même au niveau calorique, si vous avez... Ah, le micro-ondes, les gars. C'est les asperges qu'on décongelé. Et même en termes de dépenses caloriques, vous allez sécher deux fois plus si vous entraînez beaucoup plus fort. Si vous vous entraînez tranquille et que vous pensez juste que la diète va vous faire sécher, ouais, mais si vous entraînez moins fort, vous allez sécher deux fois moins vite. Donc si vous entraînez plus fort, vous allez pouvoir manger plus, vous dépensez plus, sécher plus, le métabolisme est plus haut. Donc voilà, ne lâchez surtout rien si vous entraînez de moins en moins fort. Vous allez sécher de moins en moins et du coup, vous êtes obligé de réduire la bouffe. Ça va être encore plus dur, vous allez avoir encore moins d'énergie et du coup, ça va être encore un cercle vicieux comme ça, voilà, vers le bas, j'ai envie de dire. Enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'on continue. J'espère qu'en tout cas, tous ces petits conseils-là, des fois, ça vous aide. Je reçois des messages pour me dire que c'est cool et que vous apprenez toujours quelque chose. Voilà, si je peux le faire, tant mieux. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. On continue. J'espère vraiment que les compétitions pourront se tenir. L'Angleterre, c'est vraiment chaud. Ça pue un peu la merde. Il faut quand même le dire. Mais la Roumanie, normalement, il n'y a pas de souci jusque-là. Donc bon, moi, je me sens en forme. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de montrer mon travail, leur montrer mes qualités, etc. Donc bon, on croise les doigts. On se donne à bloc. Unstoppable. Et puis, on ne lâche pas. Et n'oubliez pas surtout que l'important... C'est l'essentiel. Allez, ciao !